Welcome to Narcisse Majila Ministries, a platform where wisdom is displayed, power is demonstrated, servants are trained, shaped, and equipped, deliverance is experienced, and lives are strongly transformed and revived through the power of God. Get ready to receive a word that will impact your life and the rest of your existence. Alors rapidement, je commence mon enseignement. Genèse chapitre 2, verset 24. Il est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je répète, que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent. Je veux un mariage glorieux, oui. Oui, Rachel, je vois ma fille Rachel, je vois Dora, je veux un mariage glorieux, je vois plusieurs personnes. David, ça c'est mon frère ça, euh, Dieu te bénisse, je veux un mariage glorieux, oui un mariage glorieux. Joël, Joël, je vois Joël Emmanuel Caralis. Genèse 2, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors maintenant, je vais réamorcer mon enseignement. Notre thème, c'est le mariage par amour, par révélation ou par contrainte. C'est-à-dire la question qu'on m'a donnée par la Genèse de l'Église du plein évangile Ramakishasa, et de savoir, est-ce que le mariage, nous devons le faire par amour, par révélation ou par contrainte? Voilà un peu cette question que nous allons exploiter aujourd'hui et je voudrais vous prêter vraiment, euh, que vous puissiez nous prêter à votre attention parce que nous voulons avoir un moment fort d'enseignement avec vous. Alors j'aimerais définir d'abord ce qu'est le mariage. <coughs> Par rapport à une définition simple, le mariage est une alliance. C'est une union. Une union d'un homme et d'une femme dans le but de vivre ensemble et de fonder une famille. C'est ça le mariage. C'est simplement une union, c'est une alliance. Une, ça, c'est une définition euh, du dictionnaire que tout le monde connaît. Mais j'aimerais aller rapidement vers une autre définition. C'est que le mariage, est une. c'est la pensée des dieux, c'est la volonté des dieux. Ouais, c'est une pensée de Dieu. Le mariage n'est pas une chose qu'un homme veut seulement. Ce n'est pas une chose, c'est pas qu'une femme, mais c'est une pensée originale de Dieu. C'est une chose qui vient de Dieu. Plusieurs personnes ont dit, le mariage est une institution divine. Vous voyez, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais... Je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, le Seigneur, c'est lui qui conçoit dans son idée. Personne n'a proposé à Dieu de créer le mariage. C'est Dieu lui-même, dans son esprit dans sa pensée, C'est monté au-dedans de lui que de la manière dont je vois Adam dans les jardins, non, 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 je dois lui créer une aide semblable parce que le mariage vient de Dieu. C'est une pensée originale des dieux. Ce n'est pas une chose inventée par les hommes. C'est pourquoi tu ne vas jamais réussir le mariage si tu écartes Dieu, si tu enlèves Dieu du mariage, parce que c'est comme si tu veux utiliser un appareil, mais tu rejettes le manuel, tu rejettes la conception de celui qui a créé l'appareil en question. Alors j'aimerais vraiment demander à chacun d'entre vous de comprendre que le mariage est une pensée des dieux. Et puis le mariage est une destinée divine pour tout un chacun de nous. C'est une destinée divine. C'est une destinée. C'est une chose qui attend chacun d'entre nous. C'est une chose à laquelle nous sommes tous appelés. Je parle aux personnes ici qui, sont, qui ne sont pas encore mariées, personnes qui se, pré, qui se préparent. Et aussi, j'aimerais aussi édifier les personnes qui sont dans le mariage. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Et maintenant, regardez, euh, j'aimerais aussi vous signifier que le divorce n'est pas une option divine. Oui, quand Dieu unit deux personnes, la volonté de Dieu, c'est de voir ces deux personnes vivre ensemble, évoluer ensemble, percer ensemble et vivre la grâce de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des versets tels que dans Matthieu 19, 6. Où la Bible dit, et ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc nous voulons que vous puissiez comprendre que le, le, le mariage, c'est vraiment une pensée de Dieu. Le mariage, c'est une destinée que Dieu a déjà réservée. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est une chose qui t'attend. C'est une ligne prophétique établie par Dieu qui t'attend. Voilà. Alors rapidement, j'aimerais partager avec vous quelques grandes vérités au sujet du mariage par la grâce de Dieu nous voulons voir quelques vérités importantes sur le mariage et que chacun de vous doit considérer vraiment très très important et ces quelques vérités que je vais partager avec vous doivent être considérées comme des éléments qui vous préparent à embrasser une vie de mariage élevée une vie de mariage bénie une vie de mariage heureuse et j'ai la foi que le Seigneur va te faire du bien. Alors la première vérité que je voulais partager avec vous et de vous dire celle-ci, échouer le mariage, c'est échouer la plus grande partie essentielle de votre vie. Je répète, échouer le mariage, c'est échouer la plus grande partie essentielle de votre vie. Mais mesdames et Messieurs, le mariage est une grande partie essentielle de votre vie c'est échouer la plus grande partie de votre projet je parle de la plus grande partie essentielle de votre vie c'est parce que tu, tu ne vivras que quelques jours ou quelques années dans la maison de ton père avec ta famille mais le, le plus grand moment la plus la plus grande partie ou le, la partie restante de ta vie tu le vivras dans le mariage. En d'autres termes, la grande partie de ta vie qui t'attend, c'est la vie dans le mariage. Vous allez voir que certaines personnes ont été mariées à, à, à 22 ans, d'autres à 28 ans, d'autres à 30 ans. Et bien sûr que vous pouvez être marié même euh, lorsque vous frôlez déjà la trentaine ou même euh, vous êtes marié dans la vingtaine. Mais le problème est que si vous comparez le temps que vous avez passé avec vos parents et le temps que vous allez passer avec votre partenaire, le temps que vous passez avec votre partenaire est un temps plus vaste, plus long que le temps que vous avez passé avec la famille. C'est pourquoi il faut pas jouer avec le mariage. Il faut pas jouer avec l'engagement, avec l'alliance. Parce que c'est la grande partie de votre vie que vous allez, que si vous jouez avec, vous pouvez gâcher une grande partie de votre existence. C'est pourquoi, ça, c'est la première vérité que je voulais partager avec vous. Et une deuxième vérité. Le mariage influence l'avenir et détermine la qualité de ta vie. Je répète, le mariage influence l'avenir et détermine la qualité de ta vie. Bien aimé, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous voyez, ça c'est la qualité. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. Vous devez savoir que le, le mariage a la capacité d'influencer votre avenir. Vous pouvez avoir eu le temps de bien vous concentrer. Vous pouvez avoir eu le temps d'avoir réussi la vie avant le mariage. Mais vous devez savoir que dès l'instant où vous entrez dans le mariage, le mariage a le pouvoir d'influencer votre avenir. Ça dépend de sa qualité. Ça dépend de la qualité du mariage. C'est-à-dire que ça a la capacité de vous influencer. Soit. Positivement, soit négativement. Bienvenue dans les Seigneurs, il ne faut pas jouer avec le mariage. Il ne faut pas prendre ces sujets à la légère. Peut-être que vous pensez que vous êtes encore jeune. Vous pensez que vous, vous avez encore plus le temps de faire la vie. Mais sachez que le temps qui vous attend le mariage n'est pas seulement vaste, comme je l'ai dit. Mais ce temps-là est précieux parce que le mariage influence l'avenir. Ça dit pas seulement que ça influence, mais ça détermine même la qualité de la vie. Ça détermine si votre vie, sera bonne ou mauvaise. C'est une puissance le mariage. C'est un grand mystère le mariage. Et tu es jeune, tu m'écoutes. Cet enseignement te concerne. Cet enseignement est une interpellation. Cette question, tu ne dois plus la considérer comme une question légère. C'est une question très importante qui va influencer le reste de ton existence. Il faut mettre les sérieux possible dans le domaine du mariage parce que ça influence l'avenir. Le mariage influence l'avenir. Tu peux te retrouver aujourd'hui Peut-être tu es encore bien, les choses sont stables, mais si tu négliges la question du mariage, sache que ça peut être sérieusement influencer négativement le reste de ton existence. Une troisième vérité que j'aimerais partager avec vous, la qualité du comportement de ton partenaire, je répète, la qualité du comportement de ton partenaire détermine l'atmosphère hmm, de votre mariage dans lequel tu entres, je répète, ça détermine l'atmosphère de votre mariage. La qualité du comportement de ton partenaire détermine l'atmosphère de votre mariage. Vous comprenez C'est-à-dire que ce qui caractérise, ce qui définit l'atmosphère dans laquelle tu vas vivre dans le mariage, c'est le comportement du partenaire. C'est-à-dire que si tu as un mauvais caractère, c'est-à-dire qu'il y aura une atmosphère de désordre dans la maison. Si tu as un caractère conflictuel, Bien que tu n'es pas encore marié, c'est cette atmosphère-là que ton, ton partenaire vivra, parce que c'est ce que tu vas apporter dans le couple. Je répète, la qualité du comportement de ton partenaire, ou la qualité du comportement que tu as maintenant, sera l'atmosphère de ton mariage. Vous comprenez bien, les Seigneurs, si tu es quelqu'un de vengeance, tu es quelqu'un qui aime se venger. Sache que cette atmosphère que tu as toujours eu pendant que tu es célibataire sera l'atmosphère qui va caractériser le, frère, le pauvre frère ou la pauvre soeur qui va t'épouser. C'est pourquoi c'est très important de veiller sur le caractère. C'est très important de veiller sur votre comportement. Parce que vous devez savoir que la qualité du comportement, c'est-à-dire que si tu as un comportement d'épée, c'est-à-dire que c'est cette, cette atmosphère-là qui va influencer le mariage dans lequel tu entreras. Mais si tu as un comportement, une mauvaise qualité, la, ton comportement est une, est une, a une mauvaise qualité, ça va influencer négativement l'atmosphère dans laquelle vous vivrez c'est pourquoi vous verrez il ya des gens qui y a des gens, qui, a des gens euh, dans leur maison c'est comme c'est comme c'est comme un endroit de boxe c'est comme un endroit de désordre pourquoi parce que ça n'a pas commencé là c'était ça son comportement même avant dans le mariage et ce comportement là qui va affecter l'atmosphère du mariage dans lequel tu vas bien aimé dans le seigneur il vous devait travailler sur votre caractère pendant que vous êtes encore célibataire, de peur que tu ne puisses prendre cette atmosphère-là du comportement que tu as pour le transférer dans le mariage où tu entreras. Très, très, très important. Et la quatrième chose choses que j'aimerais vous dire, la qualité spirituelle du partenaire avec qui tu t'engages dans le mariage détermine le type de combat auquel tu seras tu feras face. Je répète. La qualité spirituelle du partenaire avec qui tu t'engages dans le mariage détermine le type de combat auquel tu vas faire face. Je répète. Ça dit que si la personne que tu veux épouser, la personne que tu veux rencontrer à une mauvaise qualité de vie spirituelle. Il est dans la vie de péché. Il est contrôlé encore par des forces ténébreuses. Vous devez savoir que par le mariage, vous allez épouser cette atmosphère. Et ça va déterminer le type de bataille auquel vous allez faire face. Il y a des batailles qui ne te toucheront jamais pendant que tu es célibataire. Il y a des batailles qui n'entreront jamais dans ta vie aussi longtemps que tu es encore célibataire. Mais quand tu vas rencontrer un partenaire, Sache que la qualité de sa vie spirituelle va déterminer aussi le type de bataille auquel tu vas faire face. C'est très important, bien aimé, de ne pas seulement être pressé de, de marier quelqu'un ou bien d'entrer de, en relation avec quelqu'un, mais c'est très important. Aussi de regarder l'état spirituel de la personne avec qui tu veux t'engager. Ce message est un avertissement divin. Ce message est une alerte qui vous signifie que vous qui n'êtes pas encore engagé, vous qui n'êtes pas encore dans les mariages, vous ne devez pas simplement prier que Dieu vous donne un mariage, mais vous devez prier pour que Dieu vous fasse la grâce aussi de trouver une personne dont l'état spirituel est très bon, parce que si l'état spirituel est bon, ça va. Influencer une vie de victoire dans le mariage. Mais si l'état spirituel est chargé, ça va compliquer le reste de votre avenir. N'oubliez pas, les deux deviendront une seule chair. Vous aurez un partage d'atmosphère, un partage de bataille. Voilà. Il y a des familles. Il y a des familles, il y a des vies qui sont sous le contrôle de puissances. Et dès que vous vous connectez à ces vies-là sans être préparé spirituellement, vous allez faire à des batailles inimaginables que vous n'avez jamais rencontrées dans votre vie depuis votre enfance. Donc la qualité spirituelle du partenaire avec qui tu t'engages dans le mariage détermine le type de combat auquel tu vas faire face, mais aussi ça détermine aussi le type de bénédictions de gloire que tu vas aussi rencontrer. Donc ce n'est pas seulement les batailles auxquelles tu vas faire face, mais il y a des personnes, s'il a une bonne qualité de vie spirituelle, dès que vous les rencontrez, il commence aussi à influencer votre vie d'une manière positive. Oh, je prie pour que tout celui qui est encore célibataire, tu es sur le point de prendre un engagement, que Dieu te connecte à une personne qui a aussi de bonnes, qui a une bonne qualité spirituelle, qui peut influencer la rencontre de grandes bénédictions dans ta vie et dans votre mariage. Il y a des personnes, où vous les écoutez, vous les rencontrez pour le mariage, ils vous font sortir de la classe de Moab pour vous entrer dans la lignée royale. Que Dieu te fasse la grâce. De rencontrer une fille qui va te transporter d'un territoire de malédiction à un territoire de gloire. Que Dieu te permette de rencontrer un homme qui va te transporter du ténèbre à la lumière. Voici un peu ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous voulons que chacun de vous soit conscient de ces vérités. Et ça peut influencer positivement votre destinée et votre vie. Alors, rapidement, cinquième élément, vérité que je partage avec vous. Généralement, le profil du mari ou de la femme que tu seras pour ton partenaire est défini par l'état des quatre types de relations que tu entretiens avant le mariage. Je répète, généralement, le profil du mari ou de la femme que tu seras pour ton partenaire est défini par l'état des quatre types de relations que tu as avant le mariage. Très, très important. Si je crois que le point est écrit au bas de l'écran, vous le voyez déjà. J'aimerais vous dire ceci. L'état des relations, c'est-à-dire la qualité des relations que tu as avant le mariage, sont, est, est un élément indicateur de comment sera ta vie dans le mariage. Parce qu'il n'y a rien de nouveau que tu vas apporter dans le mariage que tu n'as pas d'abord hérité, que tu n'as pas développé dans ton célibat. Et il n'y a aucune magie que tu feras pour que dès l'instant où tu entres dans les mariages, que ton caractère qui était mauvais change complètement. Il n'y a aucune magie. Il n'y a aucune magie. C'est-à-dire, si vous voulez connaître ce que sera votre vie dans les mariages, regardez comment est que le partenaire vit avec les quatre types de relations que je vais bientôt épingler. Je suis en train de vous ouvrir les yeux. C'est très important de comprendre ces choses. Si tu veux connaître le profil du mari ou de la femme que tu auras, regarde l'état des quatre types de relations que je vais te donner. Est-ce que ces états-là, ces relations-là ont un bon état? Ce sont des relations de conflit, ce sont des relations de paix, sont des relations de vengeance. Comment sont les quatre états que je vais te donner? Et, et, et si tu... Par, par, parmi ces quatre états spirituels, euh, euh, disons de... Les, les relations que je vais donner, ces, 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 ces relations-là sont en bon état. Comprends que tu es aussi déjà euh, prédisposé à devenir un bon partenaire pour l'homme ou pour la femme qui va t'épouser. Alors, je vous donne les quatre, les quatre disons, états de relations. Par exemple, l'état de relations familiales. Oui. C'est-à-dire, si, par exemple, vous voyez quelqu'un dans sa famille, il a de bonnes relations avec ses propres soeurs, avec ses propres frères. Il a de bonnes relations avec son propre père, avec, son, avec sa mère. Si une personne a, a la capacité d'avoir une bonne relation avec la personnes de sa propre famille, je vous dis la vérité, c'est déjà un élément indicateur d'un bon partenaire dans le mariage. Parce que une personne qui n'a pas écouté son père aura du mal à écouter son mari. Une personne qui n'a pas écouté sa mère aura du mal à écouter les conseils de sa femme. Une personne qui n'a pas gardé de bonnes relations avec son, ses frères, descend avec qui sonne. Comment sera-t-il capable de garder une bonne relation avec son propre mari Donc, si vous voulez connaître le profil d'une bonne femme, d'un bon mari, vous devez regarder la relation familiale. Quelle est la qualité de la relation familiale et une autre, une autre, une autre, une autre aussi, un autre état des relations, c'est rela les relations amicales. L'état des relations amicales. Comment sont les relations avec les amis d'enfance? Comment sont les relations avec les amis que tu as, que Dieu a connecté à ta vie? Est-ce que tu es conflictuel? Quand il y a des problèmes qui arrivent, est-ce que tu es capable de faire passer l'éponge pour que la situation ne puisse pas bloquer votre amitié? Déjà par l'état des relations que tu as avec les amis. On peut définir quel type de femme et de mari tu seras dans le mariage. Parce que toutes ces relations sont comme des stages. C'est comme des stages qui définissent ton caractère, qui brisent ton caractère, qui te forment et puis qui définissent ce que tu seras dans le mariage. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que vous puissiez savoir si vous avez beaucoup de relations amicales brisées ne pensez pas que dans les mariages vous serez capable d'avoir une relation stable avec votre partenaire. Qu'on ne vous trompe pas, une personne qui a été conflictuelle avec ses amis, avec sa famille, ne sera pas aussi un bon partenaire pour le mari qui va l'épouser. Et ce sont des vérités. Vous les niez attendez quand vous allez entrer. Vous les rejetez attendez quand vous allez entrer. Parce que une personne qui n'est pas qui, qui est un ami avec qui vous ne dormez pas ensemble, mais tu n'arrives pas à les supporter. Que dire de celui qui va t'épouser, avec qui tu dois dormir 365 jours sous le même lit Et un autre type de relation, c'est l'état des relations ecclésiastiques, c'est-à-dire les relations de l'Église, voilà, les relations de l'Église. Ça dit que tu, tu à l'église, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as des problèmes avec ton pasteur. Tu n'écoutes pas ton pasteur. Tu n'écoutes pas les frères de, 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 de ton équipe. Les, les relations déjà de l'église sont des relations brisées. Même la famille spirituelle, tu n'as pas de bonnes relations là-bas. Comment seras-tu un bon partenaire pour celui qui va te connaître dans, même dans les, dans les moindres détails de tes faiblesses? Comment seras-tu capable de les supporter? C'est très très difficile. C'est pourquoi toute personne qui n'arrive pas, pendant qu'il est célibataire, à avoir des relations qui ont une bonne qualité avec les gens. Je vous définis déjà d'avance que cette personne-là aura des problèmes sérieux dans le mariage. Il aura des problèmes sérieux dans le mariage. Les relations professionnelles. Au boulot, tu as des conflits avec le chef. Tu as des conflits. Quand on te donne des ordres, on te fait des remarques, tu te fâches. C'est les stages de ton mariage. Parce que déjà dans les mariages, il n'y a aucun mariage sans remarques. Il n'y a aucun mariage sans correction. Dans chaque mariage, l'homme qui est le chef peut faire des remarques. Même la femme peut faire aussi des remarques sur une chose qu'elle ne comprend pas. Maintenant, si dans les milieux professionnels, tu as eu à déposer des. à, 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 à briser des contrats parce qu'on t'a fait des remarques, parce qu'il y a des disciplines sur lesquelles on t'a mis, sache que des, ça définit quel type de partenaire tu seras. Et une personne qui a échoué les relations familiales, qui a échoué les relations amicales, qui a échoué les relations ecclésiastiques, qui a échoué les relations professionnelles. Je vous dis la vérité. Même si vous faites comment S'il ne travaille pas sur son caractère, tu ne travailles pas sur ton comportement, l'histoire avant le mariage a prouvé que ton caractère a un problème. Et tu seras un mauvais partenaire pour celui qui doit t'épouser. Vous voyez les amens ont diminué, les commentaires ont diminué en ligne, parce que tu te rends compte que c'est un problème que tu as, c'est une difficulté que tu as. Et le temps est arrivé pour toi aujourd'hui d'être averti sur ce que sera ton mariage si tu ne te prépares pas maintenant. Maintenant, j'aimerais, par la grâce de Dieu, enseigner rapidement sur. Euh, disons, découvrir le voie par lequel plusieurs se sont mariés. Je parle de voie, découvrir le voie euh, biblique. Voilà. Je vais, je vais me donner le voie biblique par lequel plusieurs se sont mariés. C'est-à-dire que je veux que nous puissions voir, parce que ici nous avons trois voies par rapport à la question le mariage par amour par révélation ou bien par contrainte mais nous ne pouvons pas arriver à ces points-là si nous ne faisons pas un voyage dans la bible pour voir par quelle voie les gens se sont mariés parce que la bible est une lampe c'est la parole de dieu est une lampe à nos pieds et puis une lumière sur le sentier c'est-à-dire que toute zone d'ombre dans ton esprit ne peut être éclairée que par la parole de dieu tout ce que tu n'arrives pas à comprendre par rapport à la vie, par rapport au mariage, a déjà des réponses dans la parole de Dieu. Alors, rapidement, nous voulons découvrir quelles sont les voies bibliques par lesquelles les gens se sont mariés. Tu n'es pas encore célibataire et tu n'es pas encore marié. Tu es encore célibataire. Et maintenant, tu, tu, tu es en train de te préparer pour le mariage. Quelles sont les voies qui peuvent te permettre d'entrer avant que les autres orateurs, ou bien quand je reviendrai samedi, que je ne parle de. Euh, le mariage, oui, par, par contrainte, par amour ou par révélation. Mais j'aimerais vous montrer d'abord le voie biblique par lequel les gens se sont mariés. Et ces voies peuvent vous être très utiles aujourd'hui avant que vous ne puissiez faire n'importe quel pas au sujet du mariage. Alors la première voie dans la Bible par laquelle plusieurs personnes ou un homme, d'abord le premier couple se marier, c'est par ce qu'on appelle... Par le discernement et la conviction. Discernement et conviction. Si tu me suis, tu peux écrire discernement et conviction. Voilà. Discernement et conviction. Discernement, c'est une capacité à faire une lecture spirituelle sur quelque chose que Dieu a déjà approuvé, sur quelque chose que Dieu a mis dans ton parcours. C'est une lecture spirituelle d'une personne et tu découvres que ça, c'est la personne de ma vie que Dieu m'a donnée. C'est dis le discernement. Malheureusement, les dons de discernement et négligé par les gens. <laughs> Je vous dis la vérité, le discernement des esprits, le discernement de ce qui vient de Dieu est très important. Ne passez pas le temps seulement en prière, à prier pour le don des puissances, à prier pour le don de la délivrance, à prier pour le don des prophéties. Passez aussi le temps à prier pour le don de discernement. Parce que... Le discernement et la conviction, ce sont les voies par lesquelles le premier couple a, a, a trouvé son existence. Je vous montre dans Genèse chapitre 2. Tu peux écrire simplement discernement et conviction. Genèse chapitre 2, 1, de 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit :« Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Voilà, on l'appellera femme parce que elle a été prise de moi. Maintenant, la question est celle-ci Lorsqu'il a dit à Adam que la femme que tu vois devant toi ici c'est elle que dieu a tirée de toi qui lui a donné cette information parce que lorsque dieu créait la femme adam dormait il était dans c'était une forme d'anesthésie spirituelle que le seigneur avait posée dans son corps qu'il a endormi profondément et quand c'est quand cette opération a pris place dans sa, dans son corps il ne savait pas mais dieu n'est pas venu lui dire que voici la femme dieu a posé la femme devant Devant, euh, devant lui et lui a discerné. Il a discerné. Et puis, il a eu la conviction en lui que ça, c'est la femme de ma vie. Écoutez, Dieu ne viendra pas toujours vous donner des rêves et des songes, des visions, je ne sais pas quoi, pour vous donner l'homme de votre vie. Dieu peut vous accorder le discernement, la capacité de discerner l'homme de votre vie, la capacité de discerner la femme de votre destinée. Je prie pour que pendant que je prêche ici, que le Seigneur vous accorde le discernement, le discernement de voir votre partenaire, le discernement de découvrir l'homme de votre destinée. C'est une chose très importante. Bien aimé dans les seigneurs, et parfois il n'y a pas seulement le discernement, mais il y a la conviction. Parfois tu n'as pas vu une vision. Parfois, tu... Mais quand tu vois la personne, tu sens une conviction. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un... J'aimerais dire à quelqu'un... Merci beaucoup papa... Merci papa Odon... Merci je reçois la bénédiction... Je reçois... Je suis en train de dire à quelqu'un... Parfois... Dieu ne viendra pas avec des prophéties... Pour vous dire que ça c'est l'homme de votre vie... Ça c'est la femme de votre vie... Je suis en train d'annoncer la parole à une génération... Qui ne doit pas échouer dans les mariages... Vous échouez les mariages... Vous échouez une grande partie de votre vie... Vous échouez les mariages... Même le ministère... Va connaître le problème... Alors la première fois j'insistais c'est le discernement et la conviction. Je prie que Dieu vous donne le discernement. C'est-à-dire que de découvrir, de voir la personne que Dieu a créée pour vous, de voir et de sentir la conviction de la femme que le Seigneur a créée pour votre vie. Oh, je suis en train de déclarer en date d'aujourd'hui, le Seigneur vous fait la grâce de commencer à opérer dans la dimension du discernement pour découvrir la personne de votre destinée, pour découvrir la femme de votre destinée. C'est une chose très 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 importante. Et je le sens dans mon esprit que quelqu'un est en train de recevoir la grâce du discernement. Quelqu'un reçoit maintenant la conviction sur la peur. Vous savez, parfois, vous avez déjà fait un choix, mais vous manquez la conviction. Que Dieu produise la conviction. Et l'absence d'une conviction peut aussi être un message très 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 important que le Seigneur vous fasse la grâce. Donc voilà un peu la première voie sur laquelle je la voie biblique dont Dieu peut vous donner le discernement et la conviction. Et puis deuxième voie biblique par laquelle les gens se sont mariés ou peuvent même se marier. C'est ce que nous appelons la voie euh, des signes ou bien euh, le mariage par les signes. Voilà. C'est-à-dire que Dieu peut vous faire la grâce de vous marier aussi par les signes. Vous pouvez demander un signe à Dieu et Dieu vous donne la grâce de voir ces signes s'accomplir comme un, comme, comme, un, comme un message d'approbation divine. Vous comprenez Parce que. Dieu ne vous donnera pas seulement le discernement, Dieu ne vous donnera pas seulement la conviction, mais il y a des moments où Dieu peut, vous, Dieu peut répondre aux signes que vous avez demandé. Donc quand vous, vous voulez vous engager dans le mariage, vous pouvez aussi demander un signe, même pas un seul, vous pouvez en demander deux ou trois. Et le Seigneur peut faire la grâce de voir ces signes. Et quand ces signes ne se manifestent pas, priez encore. Demandez à Dieu qu'est-ce que vous voulez m'enseigner. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Très important. Regardez, je vous donne l'exemple du mariage de, de Isaac et de Rebecca. Nous sommes avec vous dans Genèse chapitre 24. Oui. La Bible dit quoi? Et il dit, parce que c'est Abraham qui veut se marier. Vous voyez, c'est Abraham qui veut, qui veut plutôt euh, marier son fils Isaac, mais il demande à l'un de ses serviteurs d'aller choisir une femme. mais là, écoutez ce que le serviteur est en train de faire comme prière. Il dit Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Là, il est en train de prier avant d'aller chercher la femme euh, de Isaac, envoyée par Abraham, qui est le père. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles de gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche. Et je, je te prie pour que je boive et qui répondra bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez? Il demande un signe que la Fille qui viendra puiser de l'eau, qui, qui va me donner l'eau, qui va donner l'eau aussi à mes chameaux. Que, vous, vous comprenez ça, c'est une prière. Parce que c'est pour le mariage qu'il est en train d'aller. C'est pour le mariage qu'il est envoyé en mission. Mais lui n'avait pas le discernement. Lui n'avait pas la conviction. Mais lui, il est allé avec le principe des signes. Que la, que la personne, que la fille qui va servir, qui va me donner l'eau, mais qui donnera aussi l'eau aux chameaux. Que cette personne-là, non, j'aime cette parole. Sois celle que ton serviteur va épouser. Et vous voyez, maintenant, quand cette femme arrive, qu'est-ce qui se passe Cette jeune fille arrive, elle fait ce que la prière avait déjà euh, euh, été adressée, ce que la prière euh, euh, avait été déjà euh, adressée, ce que la prière disait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle a produit ce que la prière avait dit dans la présence de Dieu. Et par ces signes ou quand elle a servi l'homme de Dieu et puis elle a servi même les chameaux, ces signes-là lui ont servi comme des réponses divines pour le mariage d'Isaac. Oh, je prie pour que dans ces temps que tu ne t'engages pas sans signe, que le Dieu qui répond par des signes, que les dieux qui répondent par des signes dans le monde physique, pas seulement spirituel, qu'il commence à donner des signes. Nous refusons dans cette génération des mariage qui t'attonne. Nous refusons dans cette génération des divorces. Nous refusons dans cette génération des mariages qui amènent la honte et qui donnent l'occasion aux païens de nous critiquer. Mais j'ai pris que toi, pendant que tu es encore célibataire, pendant que tu n'es pas encore marié, que les dieux qui avaient donné et répondu aux signes demandés par le serviteur d'Abraham, qu'ils se souviennent aussi de toi. Ça, c'est les dieux des signes que nous prêchons. Il est capable de le faire. Jusqu'aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aussi, troisième des choses, c'est le mariage par confirmation. Par confirmation prophétique. Par confirmation divine. Il y a des mariages par confirmation. C'est-à-dire que tu t'es engagé, tu avais peut-être seulement une conviction interne, mais tu n'avais pas une confirmation divine. Et il y a des mariages où. Dieu peut tenter le mariage par confirmation divine, une confirmation prophétique. Regardez dans Matthieu chapitre 1, verset 20, que nous dit la Bible. Comme il y pensait, c'est Joseph, il a vu que sa fiancée est tombée enceinte et il pensait maintenant à savoir, à voir comment je vais arrêter ce mariage, comment je vais essayer de briser cette relation parce qu'elle est déjà enceinte. Et regardez, elle manquait une seule chose que Dieu est venu faire. C'est le point sur lequel nous sommes la confirmation prophétique. Et il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit :« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. » Vous voyez L'ange appelle déjà Marie la femme parce que c'était un mariage approuvé déjà par Dieu. Maintenant, la révélation divine, cette confirmation ici est venue simplement accentuer et confirmer ce que Dieu. Oh, je prie pour que dans cette saison, que le Seigneur confirme des choses, que le Seigneur confirme ton mariage. Il n'y a pas seulement des signes, il n'y a pas simplement le discernement et la conviction, mais Dieu peut confirmer une chose. Vous savez, le problème avec les gens aujourd'hui, c'est bien d'être confirmé, mais on ne peut te confirmer qu'une chose que tu avais déjà reçue. On ne peut te confirmer quelque, une chose sur laquelle peut-être tu doutais. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te confirme, qu'il utilise toutes les voies possibles pour confirmer une relation, pour confirmer une chose. Et si ce n'est pas aussi dans la volonté de Dieu, que Dieu confirme que ce n'est pas dans sa volonté. Et c'est très important. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Donc Joseph, si il a épousé Marie, c'était par confirmation prophétique. Par confirmation prophétique. Maintenant... La dernière chose par laquelle je vais terminer, c'est qu'il y a des gens aussi qui se marient maintenant par instruction divine. C'est par là que je vais terminer aujourd'hui. Le mariage par instruction divine. On peut aussi se marier par instruction divine. Hein, par instruction divine. L'instruction divine n'a rien à voir avec le discernement, n'a rien à voir avec euh, euh, la conviction. Ça n'a rien à voir avec euh, les signes, mais l'instruction divine, c'est Dieu qui te commande. Dieu qui te dit, écoute-moi très bien. La toi, tu vas épouser telle personne. C'est-à-dire que c'est une instruction divine que Dieu donne. Vous comprenez cest à que le mariage peut aussi... Vous pouvez entendre le mariage par instruction. Une instruction divine qui vient de la part de Dieu, clairement comme ça, dans ton esprit, dans ta pensée, où Dieu peut passer un doigt, il peut te parler comme ça, que voilà l'homme de ta vie, c'est une instruction, c'est une instruction divine que le Seigneur donne. Et nous allons nous baser sur un verset biblique pour confirmer ce que j'ai dit. Osée chapitre 1, verset 2. La Bible dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, c'est l'instruction. Prend une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaï. Vous voyez, ça c'est le verset déjà 3. Elle conçut et lui enfanta un fils. Vous voyez, c'est Dieu qui instruit le prophète Osée, un homme de Dieu, il l'instruit d'aller épouser une prostituée. Les gens peuvent parler, les gens peuvent critiquer. Oh, ta réputation va s'abîmer Comment tu peux épouser une telle sœur Elle n'a pas, pas un bon background, elle n'a pas une bonne fondation, son passé est bizarre. Et tu es tout tel frère, il a fait telle chose. Parfois, les instructions divines, quand ça vient, Dieu ne tient pas compte de la réputation de la personne. Dieu ne tient pas compte de son passé. Dieu ne tient pas compte de certaines histoires. Mais Dieu... Mais Dieu... Viens simplement t'instruire. Et là, c'est l'obéissance qui compte. Là, c'est la soumission qui compte. Tu résistes, ça t'écoute la vie. Vous imaginez un prophète, Dieu le demande d'aller épouser une prostituée. Une prostituée, c'est la femme de tout le monde. Et ces gens qui ont couché avec elle, qu'est-ce qu'ils disaient pendant qu'ils voyaient un prophète de Dieu en train d'épouser une femme qui a, connu, qui a connu la fornication, qui était comme une marchandise. Mais qu'est-ce que les gens devaient dire vous voyez, mais parce que c'était une instruction divine, l'homme n'avait pas de choix, il devait aller pour aller obéir. Donc, voilà un peu le, quelques voix divines que j'ai voulu partager avec vous. Et comme j'ai encore euh, par la grâce du Seigneur euh, quelques, une autre intervention samedi, donc je parlerai maintenant sur les autres voies. Mais pour aujourd'hui, voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse Et maintenant si Ok d'accord alors la question que je voudrais poser Apôtre euh, en, Entre les, les trois manières Que nous avions euh, Sur euh, le thème oui. Mariage par contrainte euh, Ou bien par euh, révélation Ou bien par amour yeah. Quel est euh, Le meilleur euh, choix Quel est le mariage idéal Voilà je dois vous dire la vérité le mariage idéal, le, la voie idéale du mariage, c'est d'abord la voie de la révélation. Et ici, okay. j'insiste, parce que vous parlez de ces trois voies. Il y a l'amour, il y a le mariage par amour, par contrainte ou par révélation. Alors, d'entre les trois, je okay. vous donne d'abord le mariage par révélation. Pourquoi je dis par révélation Et si je ne dis pas d'abord des révélations oui. qui passent par des prophètes, des révélations qui passent d'abord, oui. euh, disons, par des... Euh, je ne sais pas, d'autres personnes. Ici, je parle d'une révélation particulière que Dieu te donne et qui est maintenant confirmée okay. par des prophètes et par d'autres personnes. P pourquoi pourquoi okay. je dis que la voie de la révélation est la meilleure Parce que Dieu ne pas. Ok. C'est seulement si... Euh, C'est seulement si ce qu'on vous a dit ne venait pas de Dieu. Mmh. Mais quelqu'un a prétendu que c'était des dieux. Parce que même moi, j'ai été victime des prophètes qui m'ont prophétisé sur mon mariage avant. Quand j'étais célibataire, ils m'ont même donné le nom de certaines personnes que je devais épouser. Mais quand je suis allé en prière personnellement, Dieu m'a parlé sur la femme de ma vie qui est ici. Et puis maintenant, après, le Seigneur l'a confirmé par d'autres personnes. Okay. Donc la voie de la révélation. Alors, la deuxième... La voix de la révélation ne trompe pas, si vraiment ça vient des dieux. Ok. Ouais, alors, apôtre, comme. Vous me suivez Oui, je vous écoute. Alors, je pose la deuxième question. Comme vous avez cité l'exemple de Joseph et de Marie, ouais. est-ce que. Est-ce que l'on peut classer le mariage de Joseph et, de, et Marie euh, dans la catégorie de mariage par révélation Ou bien parce que, si on doit bien comprendre, Marie et Joseph étaient déjà amoureux avant, et c'est après que la, la, la révélation de Dieu est venue disant Joseph il faudrait que tu prennes Marie comme femme. Alors, entre euh, ces deux aspects, devions-nous placer le mariage de Marie et de Joseph dans la catégorie des mariages par révélation ou bien de mariage par amour cette, ça, ça, ça tombe dans trois catégories, ce mariage-là. Ce mariage-là plutôt. Okay. Le mariage le mariage de Joseph tombe dans trois catégories. Un, c'est un mariage par, par discernement et conviction. Pourquoi je dis par discernement et conviction okay. Parce que le fait que Dieu est venu confirmer que tu dois prendre ta femme, ça dit dire qu'ils avaient déjà discerné que c'était la volonté de Dieu. Ok. Ah, C'est-à-dire qu'ils ils avaient, avaient déjà discerné et puis ils avaient la conviction produite par Dieu dans leur cœur pour ce mariage. C'est pourquoi Dieu est venu confirmer ça après. Et puis deuxièmement, c'était aussi par, okay. par confirmation prophétique. Vous voyez, parce que l'ange est venu confirmer okay. le mariage. Et puis troisièmement, c'était maintenant aussi par amour. Mmh. Parce que s'il si, ne l'aimait pas... Avec la décision qu'il avait déjà oui. prise de rompre, il n'allait plus continuer la relation malgré l'instruction, malgré la révélation. Et puis maintenant, ça tombe même dans la dimension de l'instruction, parce que Dieu qui dit n'aime pas, pas, ne craigne pas de prendre ta femme, parce qu'elle t'appartient. C'est-à-dire que Dieu était en train d'instruire que tu dois le faire. C'est-à-dire que c'est ma volonté, tu dois. Et donc c'est un mariage qui couvre plusieurs catégories. Ça couvre l'amour, ça couvre la conviction et le discernement, ça couvre, euh, euh, disons, euh, la confirmation prophétique. Donc ça couvre vraiment euh, les points par lesquels. Euh, le mariage peut se faire. Ok, alors je pose ma, ma dernière question oui. pour ce soir. Euh, vous avez dit que le mariage de, du prophète osait c'était un mariage par, euh, par instruction divine. Oui. Alors, quelle serait la conséquence si, par exemple, dans le cas comme celui d'Osay, que l'on refuse d'admettre, parce que ce n'est pas quand même facile d'accepter de prendre une femme avec. Euh, une histoire comme la femme que Osée devait prendre. Quelle serait la conséquence sur de la vie de, de, du concerné s'il refusait cette instruction divine-là Vous savez, euh, à chaque désobéissance, il y a des conséquences générales. OK. Et des conséquences particulières. Moi, je vais donner les conséquences okay. générales lorsqu'il y a désobéissance face à une instruction divine. La première des choses, lorsque Dieu vous donne une instruction, généralement parlant, et que vous refusez d'obtempérer à la, à, la, à la bénédiction, la première des choses qui se passe, il y a toujours une punition qui s'ensuit. Ok. Oui. Donc, toute la fois qu'il y a désobéissance, il y a punition. Donc, ça dit que quand vous refusez une instruction de Dieu au sujet d'un mariage, vous allez connaître des punitions de malédiction dans la vie. Et puis deuxièmement, et puis deuxièmement, il y aura un retard dans l'accomplissement de la destinée. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un plan merveilleux de Dieu que le Seigneur a déjà conçu pour vous, mais parce que vous avez refusé une instruction et que Dieu ne sait plus comment fonctionner avec vous, le retard s'accumule. Vous, vous retrouvez, vous êtes là dans la vie, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, parce que vous avez refusé de faire d'accomplir une instruction qui pouvait vous permettre d'avancer selon le plan original de Dieu. Ok. Oui. Alors, euh, merci beaucoup, apôtre, pour, euh, pour ces éclaircissements, oui. ainsi que pour ces, ces réponses merveilleuses. Merci. Nous sommes euh, très bénis par votre intervention merci. et nous donnons rendez-vous à, à nos amis pour euh, la suite demain. Alors, nous allons simplement vous laisser euh, désannoncer le live, prier pour, euh, pour ceux qui sont en train de nous suivre et nous donnons rendez-vous à tout le monde. Pour Demain sur euh, la même page et puis à la même heure, merci beaucoup, homme de Dieu, pour le bon travail que vous faites aussi. C'est un sujet vraiment qui a aidé plusieurs vies. Que la grâce de Dieu vous accompagne, et que tous ceux qui sont encore célibataires, que Dieu vraiment leur accorde les succès dans le mariage. Ok, merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez prier pour euh, tous ceux qui nous suivent et nous pourrons désannoncer le live et se retrouver demain. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc. Euh... Merci beaucoup. Je voudrais maintenant prier pour chacun d'entre vous, qui toutes les personnes qui ont suivi ces lives. J'aimerais prier pour vous et vous bénir et vous, les, et vous libérer maintenant. Père éternel, je viens recommander tes enfants entre tes mains qui ont suivi ces lives. Je, je prie pour que ta grâce les assiste. Je prie pour que ta faveur tombe au-dessus de leur vie. Nous refusons l'échec dans le mariage. Nous refusons l'échec dans les domaines du mariage. Seigneur, le, le, le mariage est, est une plateforme qui peut élever ou qui peut rabaisser et amener des conséquences nuisibles dans la vie de l'homme. Nous te prions d'aider tout celui qui a suivi cet enseignement. Comble-le, restaure-le, renouvelle-le et que tu diriges ce pas et que tu puisses l'orienter à découvrir la voie par laquelle tu peux le visiter pour l'orienter dans un mariage glorieux. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont avec nous, qui sont déjà mariées, que Dieu Dieu se souvient de vous, qu'il puisse solidifier votre mariage, que l'amour règne et que sa faveur vous accompagne. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et je bénis votre soirée. Donc, euh, euh, à la prochaine. Et nous vous demandons de ne pas rater demain à 21h pour le prochain orateur. Et moi, par la grâce de Dieu, je reviendrai peut-être à la fin de la semaine. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.